Yo chez Hamster, c'est Mikazuki et on se retrouve pour le 8ème épisode de notre Let's Play sur Mine Zero. Dans le dernier épisode, du coup, on a accepté la requête de... du détective. J'ai galéré à retenir son nom. En fait, non. J'ai fait juste d'ouvrir le menu. De Yuichi Otaga, qui était d'aller dans la Mountain Fight de chasser d'immenses qu'on n'a pas trouvé. Du coup, on a fait toutes les histoires de Léo. Et là, on va essayer de consacrer cet épisode au farmage sur le Lament of Life. C'est parti. Donc, les monstres et les Meovins, les genres de boucs avec la hache, c'est pas les bons monstres. Du coup, ça va être chaud à réussir à trouver le bon monstre. Je crois qu'il y a une zone où je suis pas encore allé dans la Mount of Life qu'on a zappé du coup. Ok, là, la porte principale. On va essayer de tourner là. Hop, 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 non, c'est fermé. Celui qui marche en marche arrière tranquillement. Hop. Merde, non, ah putain, j'ai activé le beurre. Je pense que c'est pas grave. Le burst technique qui te permet d'attaquer deux fois dans un même tour. Hop là. Alors du coup, comme on peut mettre que 3 personnages en combat et que normalement on aura beaucoup plus de personnages, je pense que j'irai XP les autres personnages des fois. Oh, on a gagné un bouclier hors vidéo, comme ça j'essaie d'équilibrer tous les niveaux. Hop là, bah du coup on va s'équiper du bouclier pour Yuichi. Hop là. Hop là, voilà. On va essayer aussi de changer les skills de Kai, si on peut. Et le problème c'est qu'Arcane Furnace est déjà putain groupé, donc on va le laisser. Hop là. On va vraiment réussir à pouvoir avoir plusieurs sorts avec les monstres. Enfin, je crois que c'est possible en plus, mais c'est juste que je suis con. Donc on va retenter. Skill. On prend Kai. On descend en bas, ça veut pas. Hop. Non, ça veut pas. Donc je pense qu'on gagnera plus tard d'autres trucs pour les sorts. Bon, on va quand même... Merde, on va tenter d'aller là. Shot, d'accord. Ah oui, non mais je suis avec une PS Vita, je peux pas. Ah oui, j'allais dire je suis avec une PS Vita mais je peux pas, donc ça va aller à la touche. Ok, donc comme des cons on était bloqué alors qu'on pouvait aller là depuis le début. D'accord. Un portail. Ouais, du Lake Togo, bah on quitte cette instance. Non. Non, ok, du coup on peut directement se TP, ça c'est cool. Ouais, donc en fait il y a vraiment une deuxième zone, on n'est pas y aller comme des cons. Back. Logiquement, les autres vont sont dans la seconde zone. Ah bah même sûrement dans la seconde zone, du coup on est vraiment con. Boum, bam. J'aime bien les bruitages à la con que je fais. On va sûrement arrêter ça. C'est très perturbant. Et c'est reparti pour le spam. Oui, oui, ils font une petite danse les ennemis. Oh, ok, il peut parler hors combat, ça peut être sympa. S'il fait des vraies phrases logiques, pas des juste wow, ou des wow, c'est ça, tu es intelligent. Les attaques de type O sont super efficaces contre les Pokémon de type roche. Hop là. Et non, c'est parti pour la seconde jeu. Étage 2. Ah, bah une zone des vents directement. Fium. Les attributs. En gros, c'est comme les types de Pokémon. Ah ben, pourquoi vous nous avez spoilé sur les monstres? Il est trop kawaii le crabe. Il y a des monstres qui peuvent t'empêcher d'invoquer ton mind. Hop. Encore une zone des vents. Ah, la fuite. Oui, on sait comment c'est la fuite. Par contre,
il y avait une petite... Ouais, bon, ok, ça servait littéralement à rien. Tap, tap. Alors, c'est eux les nouveaux monstres qu'il faut battre. Non, Ange de Rock. Enfin, ouais, non, Angus, voilà. Angus, c'est un personnage dans Dragon Quest. Non, c'est Yangus, je sais plus. Ouais, non, c'est Yangus. On va continuer le spam. Là, pour connaître l'artif, faut qu'on les batte une fois. Oh non, mais... On sait que Kay a une attaque de type feu et qu'on a que des attaques de type feu dans notre stock d'attaques pour l'instant. Aïe. Bah eux ils font déjà un peu plus mal. Et ils tiennent longtemps. Ils tiennent vraiment longtemps. Hop là. Hop. Les annotations inutiles de Léon, on va le laisser enfant, il va faire que ça pendant tout le respect. Non quand même, on le mènera sur le terrain. Là c'est sympa du coup, ils nous soutiennent. Je me demande s'il y a plusieurs personnages, s'ils peuvent tous parler en même temps. Et si tu mets ça dans la logique, c'est littéralement con. Parce que ça fait que ton A3 qui se bat, t'as Léo enfant qui dort, qui fait « Allez, battez-le, c'est génial, continuez comme ça. Ah, » merde, putain. J'ai... pas vu que l'autre... Voilà. Parce que sinon, il allait mourir. Hop. Bah heureusement que les mains de leur vie se rechargent toujours. Hop là. Ah là, ok, il est de type terre. Du coup les attaques de type feu c'est pas du tout efficace. Ah, niveau 5. Putain, il est tellement classe ce personnage. Wow, j'arrive pas à voir. Bon, il y a un truc bizarre là. Ennemi. C'est un chat. On y va quand même. Ah ça va, ça va être un peu plus simple. Wesh. Ouais, il est type proche, donc ça va pas du tout être efficace. Hop, on va spammer. Attaque up 5 tournes. Ok, on va l'activer sur nous-mêmes. Hop. Ouch. Ouch. Avec Ochi, je vais essayer d'attaquer les deux autres monstres inutiles. Et avec Kai et Sona, on va attaquer les deux monstres à la con. Non, c'était le contraire, je veux dire. Ouais, on reprend le skill. On réattaque. Hop là. Bim. Bon, normalement, le petit monstre Merio Max meurt. Même pas, d'accord. Il doit lui rester un PV à tout péter. Bon, lui est mort. Hop là. Hop. Putain, j'aurais dû attaquer avec Kay sur l'autre parce qu'il est. Voilà. C'est bon. Level up. Bon. Je pense qu'on va remettre Léo pour qu'il level up lui aussi. C'est... Mais c'est vrai qu'il faut appuyer sur ça. Il a enlevé Switch. Merde, j'ai mis retour. Bravo, vas-y. Ta-ta-ta, voilà. Ton chargement qui sert à rien. Oh, un coffre. Bioshop Weed. Et non, ce n'est pas de la weed. C'est tellement nul comme blague. Ça enlève le poison d'une cible. Voilà, tout simplement. Attends. Oui. Non mais, je voulais appuyer sur un autre bouton, je vais quand même recheck un truc dans les équipements comme ça. Ouais. Hop là.
Là, c'est le mur. Le but, c'est de compléter toute la zone. C'est bizarre quand même quand on passe sur des combats, mais... Faut qu'on tombe sur d'autres types de monstres. On va tenter la fuite. On va tenter la fuite. Et on va tenter la fuite. Hop là. On se balade dans un lieu quand même assez délabré. Ah, un petit coffre. Ouais, bon, là la zone est 4 fois plus grande que la première zone. Release. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça sert tellement à rien de faire ça, mais il faut compléter la zone à 100%. Parce que je suis un taré. Hop. Ah, un autre ennemi. Là, ça va, ils sont connus. On va attaquer deux fois. Ouais, non, ils ont vraiment caché sa main. Donc, on peut vraiment. Maintenant, je pense que le démon a perdu sa main aussi. Voilà. Ok, si j'active le beurre, je peux pas attaquer. Donc, elle, normalement, ça marche. Voilà. Hop. C'est pas mal. Non, c'est pas encore le type de monstre sur lequel on veut tomber. Là, un pendentif de l'Europe. Ça doit être bordélique. Tout. Hop, bon, on va équiper ça là avec. Putain, elle a que dalle la porte. Voilà. Donc cette salle-ci n'en ne sert à rien. Je crois qu'il faut aller dans un genre de troisième étage justement pour avoir le monstre que nous cherchions. Ah bah il y a une porte là-bas. Tap. Ah, un levier. J'essaye de comprendre comment ça marche. Le portage sur 20. En train de spammer la même touche. Non, ça fait rien. On va laisser ça comme ça. Hop là. Aïe. Bon, on va tomber. Là, on peut les battre facilement. S'occuper d'abord du petit qui fait sa danse. Ah, coup critique. Slash. Je pense que si on les fout niveau, ouais, niveau 6-7, on les battra encore plus facilement. Completion 63% de... Les deux zones qui nous restent sont les zones paumées. Ok. Faut ouvrir la porte et on sait pas comment utiliser le levier. Je sais que W ça appuie, ça fait tatatatata. Faut peut-être trouver les autres les autres combinaisons de touches pour. Elle a raté comme un con, j'ai mis attaque lock.
Léo. T'attends, ça aurait revenu en même. On va le spammer. Voilà. Et ils prennent toujours le coup sur Léo, le pauvre. Bon, il est con, certes, mais c'est pas une raison. Voilà. Encore un point d'arrivée d'Europe. On va en équiper Léo. Léo. Voilà. Non, hop. Encore un combat avec un ennemi. On va faire un snake. Là ils sont deux, ça va. Je vais activer tous les bursts, comme ça on les bat directement. On va attendre 15 minutes. Ouais bon, c'est très con de l'avoir stun Léo. Oh maintenant il suffit juste de spam. Hop là, voilà. Ah, on a un sort de Summon Earth Sprite, donc ça doit être pour augmenter la défense vu que le Summon Fire Sprite ça permet d'augmenter l'attaque pendant 5 tours. Donc là, on n'est pas parti par là. Indigo Uniform. Bon ben, on va se rendre sans l'équiper. On prend tous les boutons. Hop. Ça lui baisse sa défense, donc non. Je crois que ça, ouais, ça n'a aucune. Oui, elle a ça maintenant. Ça tu l'as blessé. Bon, bah, Léo, nous allons t'habiller avec un uniforme. Voilà. Ok, là c'est bloqué. C'est tellement con de devoir faire toutes les cases. Merde. Non, ben voilà. On va tenter la fuite. Yes. Du coup, faut qu'on arrive à activer le joueur de levier. Donc là, ça va être la séance spamage de tout. Je crois que je suis parti du mauvais côté. Bon, dernière tentative d'escapade. Merde, putain. Bon, maintenant, on va se prendre tout. Je veux quand même fuir parce que ça va être très sous long à les tuer. Surtout quand ils sont trois comme ça. Voilà. Voilà. Ils nous disent Dragoumier. Ok, on va appuyer sur les boutons. Hop, 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 hop. Hop. Ah, voilà. Ok, ouais, voilà. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai juste spammé un bouton. Donc comme W. Ouais, j'ai spammé W, je crois que j'ai fait un truc avec la souris. Peut-être que ça a fonctionné du coup. Hop, du coup, on peut accéder à l'autre zone. Bon, j'espère qu'il y a les autres types de monstres, ceux qu'on est censé combattre. Fou. Désolé, c'est pas que je vous aime pas trop, mais vous m'énervez à être un peu fort. Aïe. Oui. Aïe. On s'en fout, Sana nous soigne. Voilà. Hop, du coup. Le menu, les sorts. Sana Chikage. Tu soignes tout le monde. Voilà. Et c'est reparti.
Next. Là, il y a quoi? Il y a rien. On va normalement dans un coffre. Non, il y a rien. Merde. Là, ils sont deux. Là, on va les combattre. Du coup. Tap-tap. Il suffit juste de spammer maintenant. Hop, hop, hop. Et je vais l'autre. Il est grave avec tout le monde maintenant, Léo. Allez, next. Floor 3. Bon, je veux les nouveaux monstres, moi. Ceux qu'on est censé chasser. Enfin, pour une zone des vents. Ah bah voilà, ils sont là. Ah merde, ils peuvent nous empoisonner alors. Ouais. Là on est dans la merde. Là, on va toujours fuir. Par contre, il n'y a pas de machin. On va devoir tous se retaper en marche arrière pour retomber sur le machin qui nous... T'as rien de nous retéper. Bon, on continue notre balade de santé, il n'y a rien ici. On tombe surtout sur pas d'ennemis. Ah. Mais les chats! Ah, je chiale. Je peux les battre, ils sont moches. Non, aïe, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ah voilà, les chats. On va d'abord buter les chats. Ouais, voilà, c'est vrai. Il y en a un qui part dans le turfu et qui revient après. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non, on va attendre 10 minutes pour le battre. Ou pas, ça va être plutôt rapide, voilà. Ce sort, on l'a jamais eu du coup. On va voir qu'est-ce que c'est. Ah voilà, on peut en avoir un deuxième, enfin. Je suis, tu vois, là de l'autre côté. Donc nous, des dégâts de terre. Ok. Je sais pas si, je pense, ouais, on va lui mettre, on va laisser ça à Léo. Là, pourquoi j'ai quitté comme un con? Je vais juste appuyer sur LR. Tente enfin un autre. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on peut te mettre? Ici, je vais déjà aller ça. Et on est tranquille. Sur la logique, c'est tous les 5 niveaux qu'on débloque un nouveau slot pour les sorts. Oh merde, on a fait marche arrière. C'est pas ce qui était prévu. Hop, donc pour l'instant, on a battu juste un petit chat. Allez, ça va faire deux petits chats. On va tenter le sort strike du coup. Oh putain, il prend mal de trucs. Ça attaque tous les ennemis. Ça c'est la bonne.
Enfin, c'est mal. C'est une attaque normale, mais surtout les monstres, quoi. Non, pas les skills. Leur attaque normale, et toi aussi. Allez, ça fait 2 Mew wins. Je viens de faire un tour complet. Merde, un ennemi. Ah oui, là c'est plus intéressant. Bon, je pense qu'on va les battre jusqu'à 10 et on arrêtera l'épisode là. Et hors vidéo, j'essaierai de remonter à la vie. Merde, c'est vrai quand t'es un dégât quand on n'a pas activé. Elle t'a obligé de désactiver pour combattre. Et dès qu'ils vont plus trop vite, tu switch et tu fais peu de dégâts. Et ils sont kawaii, le chat. Voilà, ça fait 4. On retourne encore. Ce qui est bien, c'est qu'on loot énormément d'armure sur les ennemis. Allez. Ouais, des items qui servent à rien, on va appeler ça comme ça. Tap 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 tout tout tout. Oh, un tour complet. Gold of Alquence. Oh, hop là, demi-tour. Il nous reste encore une partie à faire. Hop là. Ah mais là t'as tous les ennemis en même temps. Ok, de type vent, du coup on va faire l'attaque de type terre. Toi, tu vas attaquer tout le monde. Et Léo, tu vas faire ça sur lui. Putain, j'irai le sentier derrière. Faites attention, vous allez mourir peut-être, sûrement. Voilà, là c'est intéressant. Là on va achever le petit chat. Voilà. Et là, tu achèves celui-là. Voilà. Maintenant il en reste plus qu'un. Ouais, c'est dans la stun. C'est le monstre le plus chiant. Et maintenant le bas facile. Hop, ça fait 5 chats du coup. Tu l'appelles les chats, c'est beaucoup plus rapide. Hop. Avant que je vous dise qu'il faut activer le mind. Ouais, je pense qu'à partir de là, on fera marche arrière. Comme ça, on retombera sur les 10. Enfin, les 4 ans, on les retombera sûrement en marche arrière. Hop. On va spammer le même. Là, il a pris cher quand même le mind de Kay. La dèche, tu rates l'attaque. Voilà. Bon ben, on va prendre le coffre quand même. Fount of Life Alpha. Hop, c'est parti pour le demi-tour. Ah, il y a une porte ici. Ah ben.
C'est vrai qu'il faut appuyer sur Q, enfin X pour l'enlever. On passera à 8 directement, c'est l'avantage. J'ai tenté de les avoir d'un coup, les petits chats. Hop là. Là c'est l'eau qui prend cher. Voilà. Maintenant il reste plus que ça se rabattre. Voilà. Bon, il reste plus que deux chats à combattre. Faut quand même les soigner parce que là ils ont pris cher au niveau vie. Hop là. Hop là. Hop. Pourquoi tu la balades? Bon. Il nous en manque deux, du coup on va traîner là. Hop là. Plus de chats. On va faire le tour de la salle, voilà. Non mais voilà, on a l'auto. Par contre, si elle ne peut pas utiliser son autre sort, je suis dans la merde. Ça va, elle peut. Non, c'est pas le bon. Hop là. On aura du coup terminé une petite quête. L'animation de cette attaque est totalement classe. Ça tient un peu moins à Léo, mais Strike, l'animation est vraiment classe. C'est le troll. Du coup, heureusement qu'on la stun là. Bon, bah c'est la victoire. Non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Voilà. Ah bah ouais. Voilà. Bien. Ça suffit. Il est temps de retourner à l'office. Oh, s'il nous TP directement. Ah non, il nous TP pas. Oh, c'est la tristesse. Allez, bon bah on va faire le chemin ensemble. Tap tap tap. Donc, au niveau de Man Zero, il y a 30 heures de jeu environ, normalement. La moyenne des gens. Donc ça va, à une durée de vie assez conséquente. Qu'est-ce qui s'est passé à cet étage? Ah ok, t'as tous les événements à la con qui sont revenus. Hop, ok, on contourne la nuit. Non, bon, comme nous sommes des lâches, nous allons fuir. Merde. Bon, on va se prendre cher. Vite, t'invoques le mind, après tu fuis, comme ça c'est le mind qui se prend les dégâts de la fuite. Voilà. Et c'est parti pour le retour. Petit TP. Ouais, on va se laisser là du coup pour cet épisode de Mind Zero. Et je vous dis à la prochaine les hamsters pour le prochain épisode. Sayonara.